êtes ému, moi j'ai fait la porte là. Au moins, ça fait quelque chose. Pas en gris tous les entourages de fenêtres là. Elle s'applique vraiment bien cette peinture, hein, franchement. Et je sais que ça tient dans le temps parce qu'on a des copains qui l'ont mis et ça tient super bien. En tout cas, elle s'applique vraiment bien, elle est couvrante et j'en consomme pas beaucoup, hein, franchement. Et elle est pas trop moche aussi. Oh, bah, c'est pas le but, de toute façon ça va être couvert. Mais vous voyez, elle est vraiment. Ah, c'est limite déjà sec. Ouais, ça se voit là. Soleil. Donc vraiment content. Ouais, franchement, super. Voilà, tout ce côté-là est fini. C'est peint. Je vais pouvoir passer à l'autre côté. Donc là, j'ai mis 3 heures. 3 heures pour tout ça. Ouais, j'ai mis 3 heures pour faire tout ça. Bah, je pense que vu ce qu'on a consommé, je pense qu'on mettra une deuxième couche. Donc bah voilà. Hein. Mmh. On a un petit 2 jours et ça sera fini. Salut. Bon alors, ça y est, ça se termine. Ou presque. Fais pas trop de bruit toi quand je filme. Super. Voilà, donc là Eric il finit la porte. Hein Eric, t'es content? Bah oui. Hein. Moi je suis contente, il a super bien travaillé. Donc il finit la porte. Le haut de la porte a été fait, on va faire un petit tour. Donc là, voyez là, bon la porte elle va bientôt arriver. Donc là quand on rentre, on a tout refait quoi. Eric a tout refait, le plancher, le côté du mur et ici qui était tout pourri. Ici, et puis en fait, il a tout refait. En fait, comme on voulait que des lits, il a fait tout ça. Il a fait des énormes coffres en dessous parce que là, il y avait la table. Donc du coup, ça nous fait des grands, grands, grands rangements pour les petits, pour leurs jouets, leurs fringues. Je pense que ça va être leur jouet. Voilà, donc il a refait tout l'encadrement de fenêtres en OSB. Vous voyez ? Oui, vous allez me dire l'OSB, c'est pas bon, ceci, cela. Bah ouais, bah c'est comme ça. Ça peut pas être pire que ce que c'était. Hein. Là, le petit coffret avec le passage de roue.
Et puis là, c'était à peu près bien. Donc du coup, on a laissé comme ça. Donc là, vous avez la penderie ici qui n'a pas bougé avec les petits meubles hauts. Et puis bah, voilà, bah, la place au nettoyage. Et demain, je pense que demain, je vais finir de nettoyer. Je vais finir de nettoyer demain et je pense qu'on était le jour là lundi. Mardi, mercredi, ouais, courant de milieu de semaine, on va pouvoir emménager dedans. Et puis je pense que les petits vont vouloir déjà dormir dedans. Donc voilà, donc on est super content, d'Eric. Il a super bien bossé. Et franchement, il a fait du super boulot. Donc voilà, allez, on vous embrasse les amis. Ciao. Bon ben voilà, Eric, il a. J'aime bien montrer du doigt, c'est pas facile. C'est pas beau de montrer. Voilà. Eric, ça y est, il a fini la caravane. Charlotte en train de mettre une couche de peinture. Quelle aventure cette caravane. Ça c'est sûr. Le plus simple, c'était pour la ramener. Finalement, oui. C'est ça. Vous vous souvenez? Vous avez fait des petites vidéos. Ah oui. On les montre. Ah oui. On les montre à nos abonnés. Allez, c'est parti, on vous les montre. Coucou Jérémy et Charlotte, ça y est, nous voici arrivés au Gardénal du Littoral pour récupérer votre petit carrosse les pneus sont... qui est en train d'être attelé. C'est une belle petite caravane, hein. Vous allez voir, elle est toute mimi. C'est une Dragonnaire. Coucou les vadrouilleurs, notre premier arrêt. Bon, apparemment tout se passe bien. Je ne l'ai pas fait exprès, mais je vais vous montrer où on est arrêté. Je pense qu'on va lui faire une petite prière quand même. Hein. Mais bon, ça a l'air que ça fonctionne bien. On n'est pas trop... Ça roule pas trop mal. Bon, on va consommer un peu plus, mais bon, pas énorme, pas énorme. Comme avec la remorque en fait. Enfin voilà, on est dans un bel endroit, on va manger. Après, on va reprendre la route. Allez, bonne journée, à plus tard. Obligé de regarder en dessous pour voir le câblage. Que ça fonctionne toujours pas. C'est la misère. Le câble est là. Qu'est-ce que tu vois là-dessous? Mais rien. Si ce n'est que le câble, il rentre dans la carrosserie, donc je ne peux pas voir si c'est une batterie ou pas. Si c'est une boîte à fusil. Est-ce qu'il y a la boîte à fusil de la caravane? Elle est dans la caravane et on n'a pas la clé. Je ne sais pas s'il y en a une. C'est la mouise là. Il y a que les stops. Hein. Si on n'a pas de stop, c'est la merde. En clair. Et voilà, recoucou, il est donc 17h45, on est arrêté. Et Eric a repris son bricolage sur votre caravane. Tous, car on n'a pas les feux de position, c'est bien ça, qui s'allument. Donc il est allé acheter du câble ce matin en prévision pour qu'il puisse donc raccorder tout ça. Que l'on puisse rouler de nuit éventuellement et qu'on soit surtout visible et en sécurité, quoi. C'est surtout ça. Voilà. Donc c'est en train de se faire. Après on fera un petit test et on refera une vidéo. Voilà. Alors, et ben voilà, c'est la finition. J'ai mis le petit riselant. Là, j'ai peut-être essayé de l'accrocher, je sais pas. C'est un nouveau style en fait de réparation. Et on dit quoi? On dit bravo MacGyver, le MacGyver de la réparation. Bon, maintenant, il va falloir retester quand même. Hein. On va retester tout et on fera une vidéo en même temps. Je filme là. Oui, mais il faudra que je teste tout et on fera une vidéo pour montrer
Mais si ça marche pas, on fera pas de vidéo. On fera pas de vidéo. On l'effacera. On l'effacera. Ça fera pas partie du montage de que Jérémy a prévu de faire. Donc voilà. Tant pis. Allez, on y croit. Donc nous revoilà pour le test de l'éclairage. Alors, là les feux ils fonctionnent. Le clignotant y va. Le deuxième aussi. Enfin, il va. Il va pas. Il va, il va pas. Et les stops, ils fonctionnent. Bon, ben, on va reprendre la route tout doucement. Hein. Allez. À bientôt pour une prochaine vidéo, alors. Bonjour, monsieur. Vous avez des croissants. Est-ce que vous auriez des croissants, des pains au chocolat? Et du coup, Moustachu. Eh ben dis donc, c'est du beau. Salut à tous. Bon, eh bien, on a fait la première nuit dans la caravane. Ça va, on n'a pas trop mal dormi. Ça a été. Les enfants ont bien dormi aussi. Les petits ont pas arrêté de faire le bazar avec eux. Et on va vous faire voir leur chambre. Voilà. Là, on peut dire que c'est la caravane finie. Ils ont fait des petites décos à droite, à gauche. Voilà, vous avez bien dormi alors? Et moi, ouais. Je dors encore. Ouais. Et vous avez vu les étoiles, c'est ça? Ouais. Vous avez dormi avec les fenêtres ouvertes, ouais. Avec les étoiles et tout. Et apparemment, c'était chouette. Ouais. Donc, bah, tant mieux. Oh, la tête que j'ai! Ouais, c'est normal, il faut qu'on s'habitue. On n'est pas habitué à dormir là et tout. C'est pas... Si, moi, c'est bon, je suis habitué. C'est bon, toi? Ouais. Bon, bah, c'est cool. Je suis dans Donc, mon voilà. C'est fini. Un grand merci à Eric hein, qui nous a aidé à faire un café la caravane. Et puis là on a monté le haut vent. Là on a monté le haut vent. Il nous a fait une mini cuisine pour que je vous montre. On avait une grosse palette qu'on a remis là. Vous voyez, tac. Et il nous a fait une mini cuisine. J'étais parti faire des choses, j'avais des trucs à faire. Et je dis ah, tu fais un truc vite fait, tu t'embêtes pas. Il nous a fait un petit truc avec ça pour mettre les épices et tout. Enfin voilà, vraiment adorable comme tout Eric. Vraiment merci, merci, merci. Du fond du cœur de nous avoir aidés. Et puis bah là, ils s'en vont. Nous, on a rendez-vous à l'Adréal. On a rendez-vous justement pour. Donc nous, on y va. On a rendez-vous à l'Adréal. Un rendez-vous pour voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, présenter le projet pour être sûr de ne pas faire de bêtises en fait. Voilà, on l'avait déjà fait l'année dernière. Ça s'était super bien passé. Donc là, on a refait pareil. Donc pour qu'on se prête dans une demi-heure, pour qu'on soit parti. Et voilà, on va dire au revoir à Eric et Sylvie. Ils s'en vont, ils sont restés avec nous, je crois, 5-6 jours, je crois. Donc, genre adorable comme tout. On va leur dire au revoir ensemble. Allez. Je trouve qu'ils sont encore en train de dormir. Gendarmerie! À poil. À poil. Ça commence bien. Ça sera sur la vidéo. Hein. Coucou! Oui, on est tout nu, on n'est pas habillé. Bon, ben, on va y aller, nous. Oui, mais nous aussi. Voilà. Et c'est une petite aventure qui se termine. C'était chouette, ouais, hein. C'était vraiment cool. On a bien rigolé, ouais, hein. C'était sympa. Surtout avec Eric le Belge. Qui est torse nu. Non, je vais pas être tenu. Oh, mais... beau gosse. Eh, pas mal fini pour 65 ans. Ah ouais. Non. Quand même, hein. 65. Mais... Moi, je suis très heureux d'avoir pu partager ouais, votre ouais. une semaine avec vous. Là. Moi aussi, je suis très heureux que vous soyez venus, que surtout, grand merci de nous avoir aidés. Moi, je suis très... Franchement, on a fait une chouette rencontre, je pense, ouais. Ouais. À refaire, on a fait une chouette rencontre. C'est génial, hein. Après, la prochaine fois, bah, ça sera... Ça sera la VAD qu'on se voit. À la VAD. Bah, c'est donc pas si longtemps que ça, au non, final. Non, ça va vite passer. Non, et mars, on est fin mars déjà. Ouais, 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 on est déjà fin mars. Mars, avril, mai, allez, on y est. Hein. Le 17, donc oui, à peine 2 mois. Hier, coucou, hier, ça va, jusqu'à ça va 2 heures sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur. Pour essayer de faire la carte grise dans la mobilette. Ah ouais. Autre demande, ceci, cela. Je te vois encore en train de redire ça quand on a ah ouais, mangé la dernière la fois. Que c'est oh là 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 là. Je pense c'est avoir de réussi. La préfecture, c'est vraiment je pense avoir réussi. Tu as finalisé. J'ai finalisé. Tout le monde dit ok, on verra dans 3 semaines. Ben, alors c'est comme moi, j'attends la carte grise de celui-ci. Voilà. Oh là 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 là. C'est pénible, hein. Ces administrations. Le boulot. Voilà. Bon, on vous fait des gros bisous. Ouais, ben à bientôt. Aussi, hein. Salut. Bon allez, on y va. Bon, ils étaient sympas, Eric et Sylvie. Ouais.
Ouais, on a passé, du coup, au lieu de 2 ou 3 jours, on a passé une semaine ensemble. Ouais, c'est ça qui est bien. Eric est un peu bizarre. Ouais, il est un peu chelou. Parce qu'il est drôle, lui, bah, en même temps, il est belge. Ouais, c'est un belge. Ouais, c'est faut pas lui en vouloir. Ça. Je pense qu'il le vit bien quand même. Mais ouais, ça a été, ça l'a fait. Non, vraiment, franchement, une superbe rencontre. Vous avez bien aimé Sylvie et Eric, les enfants? Oui. C'était cool, hein. Il nous a vraiment bien aidé. Le bus, il a avancé. Pendant ce temps-là, la caravane, elle a avancé. Ouais, non, c'est franchement. Un truc de dingue. Merci à Eric pour la caravane, pour les petits trucs qu'il a fait dans notre auvent, pour rapidité, l'auvent. Ouais. Merci à Sylvie d'avoir quelquefois gardé les enfants, bon, 1 heure ou 2, mais d'avoir fait à manger, la vaisselle. Merci à Mamie Momo. Merci à Mamie Momo. Parce qu'on a squatté chez elle pendant une semaine, ouais, quasiment. Grave. Mais c'était tellement agréable, tous ensemble. Non, mais c'était top. Donc merci à tous. À refaire. C'était cool. Merci à nos petits bandits. Vous voyez les bandits, c'est ça, c'est une grande famille. Une très belle communauté qu'on a là. J'espère que cette petite vidéo là sur la réflexion de la caravane, ça vous aura plu. Vous avez vu, ça a été une semaine assez chargée. On vous souhaite à tous un bon week-end. On vous embrasse fort. Profitez du beau temps. Et à dimanche soir pour le direct. Ça marche. Mettez les petits pouces. Abonnez-vous. Des commentaires. Des commentaires. Et on vous embrasse fort. À bientôt. Allez, ciao. Bisous, bisous. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bam. Bye bam. Bye bam. De déménager Flash. J'ai enlevé tous mes chaussettes, les fringues sont en train de se vider par ici, Charlotte pareil. Les enfants sont en train de déménager leur coffre à jouer. Ça fait mal au cœur, hein. Qu'est-ce qui fait mal au cœur? Bah, qu'on déménage Flash parce qu'il nous a bien servi pour le voyage et tout. Et puis c'est... Bah, il nous a servi pour vivre surtout. Et moi j'ai beaucoup aimé Flash, donc du coup ça fait un peu mal au cœur de le quitter comme ça. Bah ouais, parce qu'on a vécu beaucoup de trucs ensemble et tout, et puis et beaucoup de souvenirs, coup, beaucoup de moments. Et puis d'un coup comme ça, allez, on déménage les enfants, le bus il est vendu.